tu tombes directement au cœur du trou noir et tu te prépares à une triste fin. Eh bien, ce n'est pas si sûr. Tomber dans un trou noir ne te tuera pas forcément, ni ne détruira ton vaisseau spatial. Mais tu devras choisir un trou noir de grande taille pour espérer survivre. Si tu tombes dans un petit trou noir, son horizon des événements est trop étroit, et la gravité augmente à chaque centimètre vers le bas. Donc si tu mets ton bras en avant, la gravité au niveau de tes doigts sera beaucoup plus forte qu'au niveau de ton coude. Ta main va donc s'allonger, et tu ressentiras une certaine gêne, voire une atroce douleur. Mais ce n'est pas la même histoire si tu tombes dans un trou noir supermassif comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil. Leur horizon des événements est large et la gravité n'y change pas aussi rapidement. La force que tu ressentiras sur tes talons et au sommet de ta tête sera donc à peu près la même et tu pourras aller jusqu'au cœur du trou noir. Et voilà, ce mythe a été déconstruit. Le suivant prétend que nous pouvons sauver la Terre d'un astéroïde géant en le faisant exploser avant. Le scénario est le suivant. Un vaisseau spatial atterrit à la surface de l'astéroïde. Une équipe d'astronautes y perce rapidement un trou, y laisse un colis piégé et s'envole. Et puis, boum! L'astéroïde va effectivement se briser en plusieurs morceaux, mais va poursuivre sa course vers la Terre. De gros morceaux vont tomber sur notre surface, causant de gros dégâts. La mission est un échec. Pour sauver la Terre, nous avons effectivement besoin d'un gros boom. Non pas à l'intérieur de l'astéroïde, mais juste au-dessus de sa surface. Lorsque le boom se produira, la force de l'explosion poussera l'astéroïde légèrement vers le bas. Même un léger changement de trajectoire serait suffisant pour que l'astéroïde passe au large de la Terre. Mission accomplie. Oh, et si on provoquait un gros boom sur un astéroïde, on ne pourrait pas en entendre le bruit. Dans les films, on entend toujours le bruit des vaisseaux spatiaux et des batailles dans l'espace. Mais ce n'est qu'un mythe. Le son est une onde qui se propage à cause des vibrations des molécules. Une personne applaudit à quelques mètres de toi. L'onde sonore commence à pousser la première molécule d'air à côté du claquement, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'onde atteigne ton oreille. Pour propager le son, il faut des molécules comme celles de l'air ou de l'eau. Dans notre atmosphère, les ondes sonores se propagent très bien, mais l'espace est un vide, donc il n'y a rien. Tu peux taper bruyamment des mains, il n'y aura tout simplement pas de molécules capables de vibrer et de transporter ce son. Encore un mythe sur les astéroïdes. Il va falloir aller un peu plus loin que l'orbite de Mars. Nous voilà dans une ceinture d'astéroïdes et nous devons constamment esquiver des rochers géants et des blocs de glace. Nous sommes entrés dans un nuage dense d'astéroïdes. En fait, non. Il s'avère que l'espace est immense et que les distances y sont incroyables. Tous les rochers et débris de la ceinture d'astéroïdes ne représentent que 4% du poids de la Lune. Il n'y en a donc vraiment pas tant que ça. Pour comprendre la taille du vide dans l'espace, prenons le cas de la collision entre deux galaxies. Il y a des milliards d'étoiles dans chacune d'elles. Si on les mélange, il est peu probable qu'il y ait des collisions. Un autre mythe est que la gravité nulle existe dans notre orbite. Imagine que tu sois dans une énorme boîte à 16 km dans les airs. Maintenant, on lâche la boîte et elle commence à tomber. Tu tombes en même temps que la boîte à la même vitesse. Et là, c'est comme si tu ressentais une gravité zéro. La même chose se produit en orbite. La station spatiale internationale se trouve à 400 km au-dessus de la Terre. Et elle tombe continuellement, non pas sur la surface de la planète, mais autour d'elle, dans son orbite. Sa vitesse est d'environ 7,6 km par seconde. Elle pourrait traverser les États-Unis de la côte ouest à la côte est en seulement 8 minutes. Les astronautes y expérimentent la même chose. Ils tombent avec l'ISS à cette même vitesse. Maintenant, regardons la Lune. Elle ne nous montre toujours qu'une seule face. Cela signifie-t-il que la Lune a un côté sombre et que les rayons du Soleil n'y parviennent jamais? Non, c'est encore un mythe. Le fait est que la Lune est liée à la Terre par la gravitation. Il y a des jours et des nuits là-bas aussi. Mais il se trouve que cette rotation est parfaitement synchronisée avec celle de la Terre. Donc, quand tu regardes la Lune, tu n'en vois toujours qu'un seul côté. Bien qu'il y ait des jours où le Soleil y brille aussi, ce n'est pas la face cachée mais la face opposée. Nous avons même des photos de cet endroit. Et on y trouve l'un des plus grands cratères de tout notre système solaire, le bassin du pôle Sud, Aitken. Il est aussi large que deux fois le Texas. Un des mythes qui s'est avéré être faux est que les humains ne sont jamais allés sur la Lune. Voici la combinaison spatiale originale des premiers astronautes qui y sont allés. Regarde la semelle de la chaussure.
certaines personnes prétendent qu'il est impossible qu'ils aient pu laisser des empreintes comme celle-ci là-bas. En fait, si, c'est possible. Sur la Lune, les astronautes portaient des bottes supplémentaires par-dessus leur combinaison, et leurs semelles correspondaient parfaitement aux empreintes de pas sur la Lune. Les astronautes ne les ont pas emportées quand ils ont quitté la Lune. Ils ont d'ailleurs laissé beaucoup de choses là-bas. Ils ont même arraché les accoudoirs des sièges dans le module lunaire pour réduire son poids. Aujourd'hui, le poids total des déchets humains sur la Lune est d'environ 187 tonnes, comprenant plusieurs rovers lunaires, des débris de vaisseaux spatiaux, des étages de fusées et des sondes lunaires. C'est l'équivalent de 3 Boeing 737. Le mythe suivant concerne l'été. Il stipule que la saison chaude arrive parce que la Terre se trouve à sa distance la plus proche du Soleil sur une année. Le Soleil réchaufferait alors davantage notre planète et viendrait le moment d'aller à la plage. Ce n'est pas vrai. Traçons un axe à travers notre planète. Elle est légèrement inclinée d'un côté. L'hiver arrive lorsque l'axe de notre planète est incliné loin du Soleil. Mais au fil du temps, l'axe s'incline vers l'étoile chaude. Ses rayons brillent alors sous un angle tel qu'il fait plus chaud. Il est vrai cependant que la Terre se trouve à différentes distances du Soleil selon la saison. C'est parce que notre orbite n'est pas un cercle parfait, mais légèrement aplati. Autrement dit, une ellipse. Normalement, la distance à notre étoile est d'environ 150 millions de kilomètres. Mais cette distance peut varier de 5 millions de kilomètres selon le point de notre orbite où nous nous trouvons. Un autre mythe sur le Soleil est qu'il est jaune. Allons voir de plus près pour le constater. Tu regardes par la fenêtre et... il est blanc. Le Soleil ne nous apparaît jaune qu'à travers le filtre de notre atmosphère. La composition de l'air et son épaisseur déforment la lumière de l'étoile. Toutefois, les étoiles existent bel et bien en différentes couleurs. Les étoiles plus froides ont des couleurs orange et rouge vif. Ce sont généralement de très vieilles étoiles, plus vieilles que notre Soleil. Mais les étoiles jeunes et très chaudes sont d'un bleu vif. Le Soleil se trouve à peu près au milieu de ce spectre. Tu as aussi entendu dire que si tu enlèves ta combinaison spatiale dans l'espace, tu vas exploser comme un ballon. Eh bien, nos corps sont conçus pour fonctionner sous la pression de l'atmosphère. Mais l'espace est un vide. Imagine un énorme tonneau en métal, duquel on a aspiré tout l'air qu'il contenait. Ajoute à cela une température de moins 270 degrés Celsius, et tu obtiens les conditions de l'espace. Si tu te mets dans ces conditions, toutes les poches d'air de ton corps, comme tes poumons par exemple, commenceront à se dilater. Tu pourrais donc vraiment exploser comme un ballon si tes tissus n'étaient pas aussi élastiques. Mais il s'étire et se plie, si bien que tu gardes la forme de ton corps. Tu auras assez d'oxygène dans ton corps pour tenir environ 20 secondes. Ensuite, ton cerveau commencera à manquer d'oxygène et tu t'évanouiras. Tu n'exploseras donc pas et tu ne gèleras même pas, car tu seras dans le vide qui ne conduit pas la température. L'eau conduit très bien la température, par exemple, si bien que tu en ressens le froid instantanément, tandis que tu te sens mieux dans l'air à la même température. Si tu es dans le vide de l'espace, la température très basse ne sera pas un problème pour toi. Le rayonnement solaire est bien pire. Sur Terre, nous avons un bouclier contre les radiations, sous la forme d'une atmosphère qui bloque les rayons nocifs. Dans l'espace, tu serais sans défense. Enfin, entre l'absence d'air, les températures froides et les radiations, tu n'auras vraiment plus que l'embarras du choix. Un autre mythe est lié au téléphone portable. Les gens pensent que lorsque tu composes le numéro de ton ami, ton téléphone envoie un signal dans l'espace, qu'il y a tout un tas de satellites qui captent ton signal et le reflètent comme un miroir directement dans le téléphone de ton ami. Non, ce n'est pas vrai. Toutefois, il existe dans le monde des téléphones satellites qui fonctionnent de cette façon. Mais lorsque tu passes un appel sur un téléphone cellulaire, ton signal est transmis par un système de tours cellulaires de l'une à l'autre jusqu'à ce qu'il atteigne le téléphone de ton ami. Ce chapeau à large bord plat est quasiment devenu la marque de fabrique de tout cow-boy qui se respecte dans la culture populaire, même si en fait personne ne le portait vraiment à l'époque de la conquête de l'Ouest. Les cow-boys, ou plus exactement les bouviers, étaient pour la plupart de simples garçons de ferme à qui on faisait faire le sale boulot dans des guenilles tout aussi sales, tandis que ces chapeaux coûtaient cher, vraiment cher. Ces hommes ne pouvaient pas se les offrir même s'ils le voulaient, et ils ne le faisaient pas. Les chapeaux larges n'étaient pas pratiques car ils étaient lourds et gênants. La plupart des cow-boys leur préféraient les chapeaux melons plus légers. Mais imagine un peu le légendaire Clint Eastwood te fixer sous le rebord de son chapeau melon. Non, mieux vaut garder les chapeaux à large bord que l'on connaît dans les westerns. Comment se fait-il que les pompiers éteignent les incendies si rapidement? Leur eau est-elle plus mouillée ou quelque chose du genre? Eh bien en fait, oui, elle l'est. C'est une amélioration assez récente, mais les pompiers ajoutent certains réactifs à l'eau pour réduire sa tension de surface.
Par conséquent, elle se répand plus facilement et imprègne mieux les objets. La découverte d'un pot de miel millénaire parfaitement comestible lors de fouilles archéologiques a donné naissance à un mythe selon lequel le miel ne peut jamais se gâter. Si tu achètes du miel, que tu enlèves le couvercle et que tu le stockes dans un environnement humide, il s'altérera assez vite. Toutefois, il est vrai que le miel a des propriétés antibactériennes et antifongiques, si bien qu'aucun germe ne peut y vivre s'il est stocké correctement. Avec un couvercle fermé et un environnement sec, il ne devrait pas se détériorer de ton vivant. Tu as peut-être entendu dire que la teinte rose de ton frappuccino à la fraise est obtenue grâce à des insectes écrasés. C'était vrai jusqu'en 2012. De petites bestioles appelées cochenilles étaient broyées pour fabriquer de la teinture rouge. Cette méthode est encore utilisée par de nombreuses entreprises, mais tu ne trouveras plus les insectes dans ton café. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Tu as sûrement entendu dire qu'Albert Einstein était très mauvais en maths à l'école. À tous ceux qui pensent pouvoir égaler son génie même en ayant de mauvaises notes, désolé. Lorsqu'on lui a raconté cette histoire en 1935, Einstein a simplement ri et a dit qu'il maîtrisait le calcul différentiel et intégral avant d'avoir 15 ans. Même si ce n'était pas au programme du collège à l'époque. Le mythe a été inventé dans les années 1930 par Ripley's Believe It or Not, croyez-le ou pas, un journal traitant de faits bizarres. Le problème, c'est qu'il n'a jamais cité de source crédible, donc pas une seule affirmation sur Einstein n'a résisté. Lorsque les gens disent que leur sixième sens leur a dit quelque chose, cela signifie quelque chose d'autre que les habituels sens que sont le toucher, l'odorat, le goût, la vue et l'ouïe. Mais la phrase pourrait aussi être correcte si on disait le huitième sens, ou même le 25e sens. 25 sens, c'est toujours mieux que 25 sens. Il existe plusieurs opinions sur le nombre réel de nos sens, le plus élevé à ce jour étant 53. La proprioception, par exemple, est la perception de la position de ton corps dans l'espace. Si tu peux fermer les yeux et toucher ton nez avec un doigt, félicitations, tu l'as. Tu as probablement entendu beaucoup d'histoires sur les secrets cachés de la face sombre de la Lune. Le seul problème, c'est que cette soi-disant face sombre n'existe pas. Notre satellite naturel est en rotation synchrone avec la Terre, ce qui signifie que nous voyons toujours le même côté de l'astre. Mais le Soleil ne suit pas la même règle, et il éclaire aussi l'autre face de la Lune comme tout le reste. Et c'est logique. Les éclipses solaires ne pourraient pas se produire si le Soleil n'éclairait pas l'autre côté de la Lune. En effet, c'est justement la Lune qui bloque les rayons du Soleil lors d'une éclipse. D'ailleurs, les éclipses se produisent parce que le Soleil est 400 fois plus éloigné de notre planète que la Lune. Mais il est aussi 400 fois plus grand. L'effet est donc un blocage total des rayons solaires, ne laissant apparaître que cette troublante couronne lumineuse. Si tu aimes les sushis, tu sais peut-être déjà que la pâte verte avec laquelle ils sont habituellement servis n'est pas du vrai wasabi. C'est du simple réfort, teint en vert, pour avoir l'air exotique. Le vrai wasabi a un goût plus doux, et il est aussi très cher. Il est d'ailleurs facile de savoir s'il est vrai ou non. S'il n'est pas fait devant toi, alors ce n'est pas du wasabi. En parlant de baleines, ce que nous nous apprêtons à faire, la baleine bleue est souvent considérée comme le plus grand être vivant ayant jamais vécu. Et c'est vrai que cette gentille géante est immense. Mais hélas, elle n'est même pas proche du véritable détenteur du record, le champignon du miel qui vit dans les Blue Mountains de l'Oregon. En le regardant depuis la surface, tu ne pourras pas dire que tu regardes quelque chose de massif. En réalité, il s'agit d'un seul champignon qui couvre une superficie de 1350 terrains de football, dont la majeure partie sous terre. De plus, il n'est pas juste vieux, il est très vieux. Son âge est estimé à 2400 ans. Mais il pourrait atteindre 8650 ans. Personne ne peut l'affirmer avec certitude. La pauvre baleine bleue n'est même pas deuxième dans le classement. Cet honneur revient à Pando, le géant tremblant. C'est un peuplier faux-tremble du centre-sud de l'Utah qui ressemble à une immense forêt, mais qui est en fait un seul organisme. Tous les arbres d'une zone de 0,4 km² poussent à partir d'un seul système racinaire. Mais ce qui est encore plus stupéfiant que sa taille, c'est le poids de Pando. Ensemble, ses racines et ses arbres pèsent environ 6000 tonnes, ce qui est en fait l'organisme le plus lourd qui existe. Il n'y a peut-être pas de mal à dégonfler un peu tes pneus quand tu es bloqué dans la neige. Mais conduire comme ça quand tu es hors de danger est un risque déraisonnable. Des pneus dégonflés diminuent ton niveau de contrôle sur la voiture, surtout sur une route verglacée, et tu as plus de chances de te retrouver à nouveau coincé.
Donc, au lieu de dégonfler délibérément les pneus de ta voiture en hiver, assure-toi d'avoir des chaînes ou des crampons pour une meilleure adhérence et mets quelques éléments essentiels dans ton coffre pour te dépanner en cas de problème. Le kit de base pourrait inclure une pelle, bien sûr, une corde de traction et un sac de sable, de sel ou, si tu n'en as pas, de litière pour chat. C'est mieux si elle est à base de minéraux, bien sûr, mais même celle en silicone fera l'affaire en cas de besoin. Les diamants sont des pierres précieuses très spéciales et leur coût est justifié par leur beauté et leur rareté, n'est-ce pas? Pas exactement. En fait, ils ne sont pas aussi rares que ce que nous avons été portés à croire. Et les scientifiques ont même trouvé un moyen de créer des diamants artificiels, ce qui rend leur production plutôt facile. Mais ils coûtent quand même très cher. Leur succès provient en partie de mythes et légendes autour des pierres précieuses qui remontent loin dans le temps. Mais plus récemment, au siècle dernier, c'est surtout grâce à des campagnes publicitaires très efficaces que les grands monopoles du marché du diamant ont réussi à convaincre la planète de la rareté de ces pierres, en faisant des symboles uniques de romance et d'engagement. Même si les chauves-souris sont désorientées à la lumière du jour, ce n'est pas parce qu'elles sont aveugles. En fait, leur vue est même meilleure que la nôtre la nuit. Elles voient simplement tout en nuances de noir et de blanc. Il leur est donc difficile de s'orienter quand il y a tant de lumière autour d'elles. Le mythe selon lequel les chauves-souris sont aveugles est probablement né du fait qu'elles utilisent l'écholocation pour trouver leur chemin. Il n'est probablement pas nécessaire de te dire que notre planète n'est pas ronde. Sa forme a même un nom spécial, une géoïde. Mais dire qu'elle est plus proche d'une forme elliptique ou d'une autre forme appropriée serait également incorrect. La Terre tourne constamment à une vitesse hallucinante. Ce qui lui donne une forme un peu ovoïde, c'est vrai. Mais les plaques tectoniques qui se déplacent en son sein affectent aussi sa forme. Bien que cette torsion et ses remous soient très lents, quelques centimètres par an, les mouvements tectoniques font que la surface de la Terre s'élève à certains endroits et s'enfonce à d'autres. Finalement, la planète ressemble plus à un ballon déformé qu'à autre chose. Certes, il n'y a rien de plus excitant qu'une bataille spatiale pleine de lasers qui traverse l'obscurité du vide intersidéral et provoque de joyeuses flambées. Mais ce n'est pas exactement ce qui se passe quand quelque chose explose dans l'espace. Celui-ci est essentiellement vide, ce qui signifie qu'on n'y trouve pas d'oxygène comme sur Terre. Et l'oxygène est une composante indispensable de tout processus de combustion. Tu vas me dire que les étoiles brûlent et explosent en supernova, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Les étoiles ne consomment pas d'oxygène, elles ne brûlent donc pas. Mais elles sont le théâtre de constantes réactions thermonucléaires. Un vaisseau spatial ne pourrait par conséquent exploser de cette manière que s'il transportait une centrale nucléaire. Sans ça, la seule chose que tu verrais serait un bref flash, se dissipant en un clin d'œil. L'oxygène liquide, qui se trouve souvent à bord des navettes spatiales, brûle extrêmement vite dans le vide de l'espace. Quant au boom, l'oxygène joue là ici aussi un rôle crucial. Le son ne voyage que grâce aux molécules d'air qui se heurtent entre elles. Comme il n'y a pas d'air dans l'espace, l'endroit est absolument silencieux. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Imagine comme le soleil serait assourdissant si le son pouvait voyager dans l'espace. Malgré ce que beaucoup de réalisateurs de science-fiction veulent nous faire croire, la Lune n'a pas de face sombre. Notre satellite a subi un verrouillage gravitationnel, ce qui signifie qu'il est toujours tourné vers nous d'un seul côté. Le Soleil est beaucoup plus éloigné de nous que la Lune, et nous tournons avec elle autour de lui, réchauffée et éclairée de toutes parts successivement. Cela veut dire qu'une fois de temps en temps, chaque face de la Lune se voit éclairée par le Soleil. Seulement, nous ne pouvons en apercevoir qu'une seule. Alors que les choses semblent en apesanteur dans l'espace, il y a en vérité de la gravité partout. Plus on s'éloigne d'un objet lourd, comme notre planète, plus elle s'affaiblit, mais elle est toujours présente. En fait, il n'y a pas un seul endroit dans l'univers qui ne soit affecté par la gravité de tel ou tel objet cosmique. Tout ce qui a de la masse possède de la gravité. Oui, même toi et moi. Mais les objets dans l'espace sont si massifs qu'ils tirent vers eux les choses plus petites. C'est pourquoi les planètes du système solaire tournent autour du Soleil et pourquoi notre galaxie, la Voie lactée, tourne autour de son propre centre. Les scientifiques pensent qu'il y a là un trou noir supermassif, environ 4 millions de fois plus lourd que le Soleil, qui empêche toutes les étoiles et tous les systèmes de s'écarter les uns des autres. Nos héros de cinéma quittent l'orbite de Mars, abordent leur fidèle navette spatiale et se dirigent vers Jupiter. Ils ont des visages graves et résolus, car ils savent qu'une menace les attend. La ceinture d'astéroïdes. Ils manœuvrent du mieux qu'ils peuvent, esquivant de justesse les astéroïdes qui volent à grande vitesse vers eux, mais l'un d'entre eux les touche quand même. Bon, ce n'est qu'une égratignure, fort heureusement. En bout de compte, nos héros quittent cette dangereuse zone et épongent la sueur de leur front d'une main tremblante. Cela te semble familier?
Eh bien, ça ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Les astéroïdes de la ceinture située entre Mars et Jupiter sont si peu nombreux et si éloignés les uns des autres que si tu devais un jour passer par là, il est possible que tu n'en aperçoives pas un seul sur ton trajet. Il y a environ 1,5 million de roches spatiales de taille significative dans cette ceinture. À un demi-million près. Mais n'oublions pas que l'espace est vaste. Il y a toujours une distance de plusieurs millions de kilomètres entre deux astéroïdes importants. Du coup, une course-poursuite entre deux vaisseaux se faufilant entre des roches suspendues dans le vide ne serait pas aussi amusante qu'on veut nous le faire croire. On décrit souvent l'espace comme un endroit sombre, froid et désolé, surtout lorsqu'un astronaute de cinéma quitte la sécurité de sa navette. Et tout cela est correct, sauf pour le froid. Cela ne serait vrai que si tu te retrouvais dans un coin très éloigné de notre galaxie, sans étoiles à proximité. Mais si tu es, par exemple, en orbite autour de la Terre et directement face au Soleil, la température dans le vide cosmique se rapproche des 120 degrés. Voilà pourquoi les combinaisons spatiales sont blanches. Cette couleur reflète mieux la lumière que toutes les autres. Cependant, tu pourras littéralement avoir très froid dans le dos si celui-ci n'est pas exposé aux rayons du Soleil. La chaleur ne se propage pas de manière égale dans l'espace. Et si tu n'es pas tourné vers une source de chaleur, tu auras froid, très froid. Et puisqu'on parle du Soleil, il apparaît toujours jaune dans les films. Mais la couleur que nous voyons depuis la Terre est en réalité une illusion d'optique créée par l'atmosphère de notre planète. Tout comme pour le ciel bleu pendant la journée. La lumière du Soleil se répand dans l'atmosphère et se distord, ce qui donne des spectacles colorés à l'aube et au crépuscule. Dans le vide de l'espace, il n'y a rien qui puisse réfracter la lumière, de sorte que le Soleil apparaît tel qu'il est vraiment, blanc. Eh oui, cette boule de gaz incandescent est aussi chaude que ça. Il y a un éclair intense dans le ciel, suivi d'une traînée de fumée, et une roche spatiale brûlante vient s'écraser sur le sol, laissant un énorme cratère carbonisé après l'impact. Bien qu'il y ait eu du vrai dans cette traînée de fumée et ce cratère, les météorites ne peuvent pas atteindre de si hautes températures pendant leur chute. Une météorite est un astéroïde qui, pour une raison ou pour une autre, est entré dans l'atmosphère terrestre et a suffisamment résisté à sa friction pour toucher la surface. Cela arrive assez souvent, mais nous apercevons rarement ces roches car elles sont en général très petites et tombent dans des zones inhabitées. Mais même si un de ces bolides tombait sur une ville, son cratère aurait pour cause sa vitesse et non sa chaleur. Elles deviennent très chaudes à cause de la friction, mais pas au point de tout brûler au sol lors de l'impact. Bien que nous adorerions croire qu'une communication instantanée entre les navettes spatiales et les planètes soit possible, ce n'est pas le cas. Du moins, pas encore. Les systèmes de communication modernes reposent sur les signaux radio et ceux-ci sont assez lents en regard des vastes étendues de l'espace. Il faudrait des années pour qu'un tel signal parcourt ne serait-ce qu'une année-lumière. Alors imagine ce qu'il en serait pour des centaines et des milliers. Si tu voulais envoyer un message vers une galaxie très lointaine, il te faudrait attendre quelques millénaires avant qu'il n'arrive, puis quelques autres milliers d'années avant de recevoir une réponse. Et l'espace n'est pas aussi encombré et rempli d'événements qu'on le présente au cinéma. C'est un endroit plutôt désert, où les planètes, les étoiles et les autres objets sont séparés par des milliards de kilomètres de néant. Même si tu avais un vaisseau spatial pouvant voyager à la vitesse de la lumière, la plupart du temps, tu ne verrais qu'un vide noir constellé d'étoiles et de planètes très lointaines. Les distances sont immenses, même entre les objets les plus proches les uns des autres. Pour mieux comprendre, la Lune, que tu peux si bien voir par une nuit claire, se trouve à environ 384 400 km de nous. Cela représente presque 10 fois la circonférence de la Terre. Les moteurs à distorsion peuvent déformer l'espace-temps et te faire atteindre un coin éloigné d'une autre galaxie en un clin d'œil. C'est un des éléments de base de la fiction spatiale. On voit toujours les vaisseaux spatiaux, capables d'une telle prouesse, accélérer instantanément de zéro à plus vite que la lumière. Selon les lois de la physique, les passagers devraient au moins se sentir écrasés dans leur siège. Plus précisément, personne ne pourrait survivre à une telle accélération parce que la gravité serait immense pour le corps humain. Tant que nous n'aurons pas trouvé un moyen de réduire ces effets délétères, il est inutile de songer aux moteurs à distorsion. L'eau n'est pas la ressource la plus rare et la plus précieuse de l'univers. En fait, il y a un énorme nuage à plusieurs millions d'années-lumière de nous, et il est entièrement constitué d'eau. Ces réserves seraient suffisantes pour remplir nos océans 140 billions de fois. Et de nombreuses planètes, certaines même dans notre système solaire, semblent renfermer de l'eau liquide. La ressource la plus précieuse dans l'espace est la vie, et un grand nombre d'éléments sont nécessaires à son apparition, pas seulement l'eau liquide. On voit souvent les astronautes s'entraîner sur l'ISS et les vaisseaux spatiaux de science-fiction, et c'est vrai, ils ont besoin d'activité physique. Mais ce n'est pas parce qu'ils doivent être très forts pour travailler dans l'espace.
La gravité y est beaucoup plus faible et les astronautes n'utilisent pas autant leurs muscles que sur Terre. Alors quand ils redescendent, la gravité les rattrape implacablement et ils se sentent extrêmement faibles. C'est pour atténuer ces effets qu'ils s'entraînent tous les jours. On dit souvent qu'il est possible de voir des millions d'étoiles par une belle nuit claire, mais c'est loin d'être vrai. On peut en compter environ 3000. Les autres points brillants que tu vois sont des objets lumineux que l'on confond avec des étoiles, des planètes, des galaxies lointaines et même des satellites artificiels. Ces objets sont tout simplement illuminés par de vraies étoiles ou par la Lune et deviennent visibles. Mais parce qu'ils sont si loin de nous, on n'arrive pas à savoir s'il s'agit ou non d'étoiles. Mais c'est quand même plutôt cool, il faut bien l'admettre.